Comment entreprendre dans le secteur environnemental en étant étudiant Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus et Hydrocarbures. Les temples de l'énergie, c'est nous. Ici, nous parlons énergie-environnement, dans le seul souci d'accompagner les décideurs, mais également d'éveiller la conscience de la population. Pepito Sakasaka, c'est bien moi, le maître dit temple. La voie énergétique. Nous allons encore une fois répondre à cette question avec notre invité. Comment entreprendre dans le secteur environnemental en étant étudiant Avec un invité, il est là. Nous allons le découvrir, c'est pour une première fois de le recevoir. Arsène Bakando, bienvenue. Merci beaucoup monsieur Pepito. Très heureux de te retrouver. Nous allons parler de ce sujet aussi intéressant. Je l'ai dit tantôt, tu es encore étudiant à l'université de Kinshasa. Pourquoi tu choisis l'environnement euh, Déjà au départ, ce n'était pas mon choix. C'était les choix de, de mon père. Parce que moi, je voulais faire la communication. Papa s'appelle Il s'appelle Oscar Bakandoa, c'est un journaliste aussi. On les salue, Papa Bakandoa, <laughs> les journalistes. Oui. Donc j'ai rêvé d'être communicateur comme vous. Mais hein, il m'a dit non, à la communication, c'est un métier transversal. Donc peu importe les domaines où tu es, tu peux finir par être communicateur journaliste. Donc il n'y a pas de souci. Alors, il orienté vers l'environnement et c'est pourquoi je suis allé vers euh, les sciences de l'environnement à l'université de Kinshasa. Tu es content de faire l'environnement Oui oui, je suis content. Ou bien c'était une imposition parentale non, non, C'était pas une imposition mais c'était une orientation. Une orientation. Aujourd'hui qui m'a permis vous m'invitez aujourd'hui, c'est grâce à ces choix parce que si je n'avais pas fait ces choix si vous n'avez pas accepté, vous n'allez pas quand même m'inviter aujourd'hui dans votre mission. Un mot spécial à papa, tu diras quoi euh, Bon, que je l'aime beaucoup. Merci pour cette orientation vraiment. Ça fait de moi un homme aujourd'hui. Merci papa Bakandoa. Merci à tout le papa qui, nous, qui, sont, qui sont habitués à nous suivre. Merci à notre DG. On l'appelle le reflet de tout un peuple, Madame Hello, mais notre directeur de programme, notre DGA. La grande équipe technique de cette émission, chapeautée par M. Lazik, le régisseur Hugen Mbala, hein, le plus riche, il aime bien, on l'appelle comme ça, mais également les caméras women, elles sont là avec nous, elles nous assistent. Merci, nous parlons de ces sujets. Comment entreprendre en étant étudiant Mais avant tout, suivons l'intervention de l'artiste euh, plasticien. Eddie, qui était lors de l'ouverture des Jeux de la Francophonie, il a présenté l'homme sachet, l'homme canette, et c'était vraiment du waouh. On suit, nous parlons environnement, nous parlons écologie, et on se retrouve. Quartier pour les voir. Ici, à Kinshasaï, ils sont ouais. partout, mais au congo c'est à Paco d'accord merci à on... la chorégraphe internationale Amatongue, ici c'est Amatongue, Amatongue, Amatongue va... le fief village Molokai on va changer d'univers avec ce voyage dans le futur avec les sapécologues et Foulou Collective un hymne à l'inventivité Inuit Made in Kinshasa avec toutes les, les canettes qui sont Récupérer, bien sûr, on peut faire preuve de créativité. La preuve. Alors, nous sommes de retour, c'était du waouh! C'était du waouh! Ceux qui ont participé, c'était du waouh! Arsène, tu as été au stade ces jours-là, oui, j'ai été Et tant qu'un environnementaliste, quand tu as vu ça, quelqu'un qui valorise les déchets plastiques en costume pour passer un message sur la pollution plastique, un petit commentaire. Déjà, pour moi, c'était magnifique et c'est encore encourageant pour nous qui sommes dans les domaines de l'environnement pour encore faire plus parce que. Les déchets, ce n'est pas seulement un déchet. Donc, les déchets, c'est de l'or. Donc, il faut la tra les transformer pour avoir un peu de, de résultats pareils. Le transformer pour avoir un peu de résultats pareils, c'est une matière première. Mmh. Nous parlons entrepreneuriat. Comment entreprendre en étant étudiant dans un pays comme le nôtre, mmh. où le taux de chômage ne fait qu'augmenter, où il y a plus de diplômés, il y a moins d'entreprises Comment entreprendre Aujourd'hui, tu nous présentes ces balais fabriqués à partir de bouteilles, euh, de bouteilles en plastique. Mais d'où est partie l'idée Bon, l'idée a commencé déjà quand j'ai commencé mes études à l'université. Donc je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je finisse mes études et puis à la fin, faire des demandes d'emploi pour euh, trouver un job. Pourquoi ne pas moi-même euh, être chef d'entreprise donc j'ai commencé d'abord par recycler les déchets plastiques pour en faire de pavés durant depuis 2019-2020-2021 mais il m'était un peu difficile parce que je n'avais pas assez de moyens. Un jour, je suis tombé sur une photo, une image où il y avait une dame qui faisait de balais à partir des bouteilles de plastiques. J'étais tellement étonné et il y avait un monsieur Mike Mutadila qui nous a octroyé les moyens pour faire premiers, euh, de premiers échantillons de balais. Donc on a Commencer par faire le premier chanteau du ballet sur un carton. Donc, le premier ballet avant ça soit sur les bois comme ça, c'était sur un carton. Donc, c'était tellement difficile. Donc, il fallait réfléchir comment euh, une bouteille peut devenir un fil. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais avec euh, les études, les essais, nous, nous, sommes, euh, nous, nous sommes arrivés à, à ces ballets qu'on produit actuellement aujourd'hui. En produisant le ballet, tu vises quoi Déjà, la première des choses, c'est être un entrepreneur autonome et aussi être parmi les les, les ceux qui veulent à ce que la ville de Kinshasa soit une ville propre, moins de pollution plastique, parce que le, les bouteilles plastiques sont des matières non biodégradables, ça prend du temps pour se dégrader. Alors aujourd'hui, nous trouvons il y a des caniveaux de rue. Donc c'est une solution. C'est une à, solution à la à problématique à, à de problématiques, la, pollution plastique. Et la pollution plastique. Parce qu'il y a des données qui disent que Kinshasa produirait 10 000 tonnes de déchets et 20 de ces déchets sont en plastique. Et nous voyons la, la rivière Funa quand il y a des pluies, on voit des quantités énormes de bouteilles plastiques qui sont dans les, dans, 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 les rivi dans les rivières, qui entrent même deux fois dans, dans, dans des maisons. Ceux qui habitent euh, les longs des, des rivières vivent un peu ces, 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 ces conditions un peu difficiles. Alors pour moi, il était important de récupérer ces, ces bouteilles plastiques. Faire de balais qui vont encore permettre à saigner encore les milliers. Alors, tu le parles avec beaucoup de motivation, à saigner le milieu. Euh, c'est à quelle quantité, à, euh, combien de bouteilles faudrait-il pour avoir ces, ces balais que nous voyons là Actuellement, ces balais, c'est 30 bouteilles de 350 millilitres, donc les bouteilles Fiesta. Donc, quand on a 30 bouteilles, on a un balai comme ça. 30 bouteilles. 30 bouteilles. Donc 0,5 kg de, 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 de plastique. Et comment tu fais Comment tu organises ces collectes Comment tu fais C'est toi-même qui fais le tour Non, non. Nous avons... tu, tu achètes ces bouteilles comment Non, tu fais on ne les achète pas. C'est la matière gratuite. Nous avons une équipe qui descend sur le terrain pour récupérer ces déchets, bien équipés, avec des gants, tout ça. Ils les mettent dans les sacs et les ramènent vers notre site pour euh, les transformer en, en balais. On a bien dit, tu es encore étudiant. Arsène Bakando a étudiant l'université de Kinshasa, mais également un entrepreneur. Comment tu fais Parce que là, il faut gérer les cours, il faut, euh, voilà, il faut aller à l'université tous les jours. Mm -hmm. C'est quoi le secret ah, Les secrets, c'est... <laughs> Je peux dire c'est... Je ne sais même pas comment vous dire c'est quoi les secrets. Comment tu te gères Bon, j'essaie toujours de planifier mes temps parce que il y a des activités qui sont importantes, moins importantes, et puis il faut savoir comment planifier. Déjà, il y a certains cours, tu sais que si tu es à la maison, tu peux les lire, tu vas les comprendre. Oh là là. Donc, <laughs> mais on oublie parfois la présence, on oublie parfois la présence. Oui, on oublie la présence. Des fois, ça nous, ça nous fait défaut. Des fois, on a aussi des amis qui nous aident au niveau de l'université pour écrire juste les noms dans la liste de présence. Mais on fait ce qui est prioritaire vraiment donc quand j'ai une commande qui, qui où je dois être là pour une journée donc ces jours là je ne suis pas au cours. Ça te dérange pas parfois Ah non, ça me dérange pas, parce que je sais que c'est que je fais c'est aussi important. Je reste équilibré. Oui oui. Alors quoi dire à tous ceux qui pensent que na Congo les salezaté. Déjà, ils ont à ma Mabé, si je peux dire Moussala, ils apportent Donc, il faut être juste capable de mieux réfléchir, de voir un problème et trouver une solution. Je prends l'exemple de M. Eddy. Il a juste vu des sachets, il les a mélangés, il a fait tout un, un robot, un robot en déchets plastiques. C'est juste avoir les idées, il faut réfléchir. Il ne faut pas être là dans les débats inutiles. Non, fallait faire. Non, non, non. Et ils ont déjà gagné leur vie. Et toi, il faut réfléchir sur, sur des problèmes actuels et trouver des solutions qui vont t'aider à, à avoir de, de moyens. Ça, là, il, a kakate, il faut ça d'être de d'emploi. Non, tu peux créer. Comment il va créer dès lors qu'il n'a pas de moyens Toi, tu l'as dit bientôt que c'était un monsieur qui t'a soutenu. Mais les autres qui n'ont pas de moyens, ma famille Zanga Combo, qu'est-ce qu'il fera On commence... non, Le monsieur, il a soutenu parce qu'il avait vu qu'il y avait un pas. On commence toujours par un pas parce qu'on peut pas te soutenir comme ça dans les hasards. Il faut faire un pas. Si je n'avais pas fait mon balai en carton, il n'allait pas me soutenir. Il fallait que je fasse mon balai en carton pour savoir qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Donc je peux investir ne ce que le petit que je mets là, ça va l'aider à continuer. Donc il faut toujours faire un pas parce que l'idée, tu peux avoir l'idée. Je prends l'exemple, vous avez l'idée de votre livre, c'est peut-être depuis longtemps que vous en avez en tête. Mais le fait que vous ayez rédigé même deux trois lignes et puis c'est préfacé par quelqu'un. Il faut commencer quelque part. Voilà, il faut toujours commencer quelque part. C'est toujours important. Et quoi dire à ceux qui pensent que les Quinois, euh, les Kinois ne, ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ils sont plus les pleurnichards. Ils sont, ils trop, mais ils ne réagissent pas. Quoi dire à ceux qui pensent ça euh, Déjà. J'ai enregistré deux fois les mauvais fruits. Les le mauvais fruits. <laughs> <laughs> On oui, oui. a l'ignorant le gros. y a Bon, toujours dans, dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Donc, ce n'est pas tous les quinois qui sont dans. qui, qui plairnissent toujours. Exact. Bon, ce n'est pas tous les Kinois. Il y, a des exceptions. Il, y a, il y a toujours des exceptions. Mais il faut maintenant faire un effort de voir ceux qui plairnissent là, leur donner ces goûts-là, cette envie-là, comme moi je suis aujourd'hui. Je suis. Je ne suis, je suis peut-être pas l'exemple pour 100 personnes, mais il y a quand même deux personnes quand ils me voient. Ils ont ce goût-là d'entreprendre, entreprendre, d'être aussi autonomes d'eux-mêmes avec leurs propres efforts. Intéressant. Nous devons entreprendre, pas seulement pour gagner de l'argent, mais également répondre aux problèmes de la société. C'est très important. Alors, nous parlons comment entreprendre dans le secteur environnemental en étant étudiant. Est-ce que c'est facile? Euh, commencer une entreprise dans un secteur aussi complexe où il faudrait lier l'écologie à la technique, à l'économie. Est-ce que c'est facile d'entreprendre dans ces secteurs Non, c'est vraiment compliqué. Surtout qu'on est si jeune. Est, oui, oui c'est vraiment très compliqué. Et quelles sont les difficultés Les difficultés, déjà, c'est déjà les au niveau de matériel. Donc, des fois, on a des difficultés à avoir certains matériels parce que quitter d'un problème environnemental pour les faire devenir une solution il faudra avoir des matériels adaptés donc ça veut dire que ton problème quand tu quittes d'un problème vers une solution il ne faut pas encore créer d'autres problèmes donc c'est vraiment compliqué mais on essaie d'y s'y faire on sait que à l'avenir ça va ça va aller mieux on essaye de faire et pour ton cas comment tu as pu faire parce que la technologie n'était pas au point mmh. tu es en train d'évoluer mollo mollo mmh. Quel était le secret? Le secret, c'est que je me suis inspiré d'autres personnes, des personnes ailleurs. Parce que, et je suis au Congo, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que on n'était pas avancé dans ce secteur des balais à partir des bouteilles de plastiques. Donc, j'ai fait des recherches, ça m'a poussé même à faire des recherches dans d'autres langues pour me permettre d'avoir les idées sur ce qu'il faut vraiment faire comme machine. Pour euh, aboutir à ces résultats de balai brosse. Nous signalons que c'est un produit commerçable, Tu le vends déjà oui. et dans ton entourage, les gens disent quoi Déjà, il y a comme mon père, il est très heureux à chaque fois que il me voit. Il est déjà le premier soutien dans ces dans ces dans dans, dans, ses, dans, ses, dans, 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 ce dans ce que tu fais dans ce que je fais actuellement. Et donc, il y a même des amis des amis qui sont très fiers de moi. Ils m'appellent boss, patron, tout ça. <laughs> Malgré qu'ils ne savent pas les fonds en tout cas. Ils ne savent pas le fond. Hein. Tu ouais. veux préciser quoi en disant <laughs> non, ça? Parce que l'apparence, je cache beaucoup de cache chose. beaucoup des choses. Vous pouvez voir comme ça, vous dites entrepreneur, mais au fond, c'est dur. Il y a des, des nuits où peut-être tu ne dors pas, tu es là, tu travailles, tu bosses jusqu'à deux heures, parce que tu dois livrer à 8 heures. Donc c'est vraiment compliqué. Alors nous allons sur cet élément, le temps pour euh, M. Arsène de se reposer un tout petit peu et puis on se retrouve. vous êtes étudiant, vous êtes euh, vous évoluez dans le secteur euh, des hydrocarbures, vous êtes un amoureux de la lecture, vous voulez avoir cet ouvrage, c'est simple, il suffit juste de nous écrire, vous aurez ou carrément vous partez sur Amazon, vous téléchargez l'ouvrage, c'est intéressant, nous devons lire et apprendre, découvrir beaucoup de mots, c'est intéressant. Alors Arsène Bacandoa, nous parlons de ce sujet intéressant, comment entreprendre étant euh, euh, que Étudiant, tu nous as parlé des difficultés, des défis, des motivations. Comment tu te vois dans les cinq prochaines années Dans les cinq prochaines années, je me vois responsable d'une grande entreprise ici à Kinshasa. On va garder cette émission jalousement. Oui, oui, oui. Et donc, parmi les grands, donc à part KinToko, être aussi parmi ces Congolais là qui vont recycler ré la plus grande quantité de déchets bouteilles plastiques à Kinshasa. Tu n'as pas peur quand tu t'es fixé un tel objectif Non, je n'ai pas peur. Je suis confiant. Très confiant, c'est important. C'est aussi euh, une attitude euh, de ceux qui gagnent. Tu as été euh, dans beaucoup de choses dernièrement à l'Unikin. Tu eh as bien. pris part à, à une grande activité. C'était quoi au juste C'était Festival Unikin Solutions. C'était un festival qui mettait en avant les talents des étudiants parce qu'il y a des étudiants à l'Unikin qui ont du talent. Et il devrait montrer ses talents-là au monde. Nous étions, pas. Oui, nous étions dans la compétition, mon projet en 3000 3 secondes. Donc il fallait pitcher son projet devant un public et aussi des jurés. Et heureusement, nous étions deuxième de, de ces grands concours avec une cagnotte. C'était quoi la cagnotte? Avez-vous perçu la cagnotte? Parce que bah, tu es belé, tu es un déjà. Oui, oui jusqu'à là, on n'a pas encore reçu la cagnotte. Peut-être nous attendons après les Jeux de la Francophonie, lorsque les activités seront ouvertes à l'université, où il y aura une cérémonie de remise des cagnottes aux différents lauréats. L'argent représente quoi pour toi? L'argent, c'est la liberté. C'est-à-dire? Ça veut dire que quand tu as l'argent, tu es capable de tout faire. Et le mariage? Non, mais pas n'importe quoi. Et le mariage? Les mariages, c'est. C'est aussi important. Ouais, l'argent, mariage, tu vas choisir L'argent d'abord. L'argent oh là là, d'abord, <laughs> le mariage après. Parce voilà. que si, 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 si tu n'as pas de l'argent, tu ne pourras pas Impossible prendre, de soin de payer la des, des... prendre soin de la femme. Voilà, Inté intéressant. Alors, nous sommes en train de réfléchir également avec toi, lentement et sûrement. Nous tendons vers la fin. Mais euh, tu regardes la caméra qui est devant toi, les milliers de Congolais qui te regardent des responsables, les autorités de ce pays. Qui est derrière Arsène Bakandoa Actuellement, il n'y a personne derrière moi. Donc, je suis seul avec une équipe. Nous essayons de travailler, travailler pour un objectif. Un mot à ceux qui te regardent maintenant, qui peuvent parfois ou peut-être t'accompagner, te soutenir. Déjà, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent l'émission Focus Hydrocarbures, et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, je vous demanderai... Si vous avez les moyens de venir soutenir cette œuvre. Parce qu'on est Congolais, nous devons consommer Congolais et puis consommer local. Je suis un jeune, aujourd'hui j'aimais je bas pour avoir déjà un environnement sans la vie de Kinshasa Sen et aussi entreprendre dans ces domaines qui est les domaines environnementaux. Je suis encore étudiant. Donc si vous nous soutenez aujourd'hui, à l'avenir, nous, nous pensons que nous aurons encore des jeunes Congolais qui seront capables de des, des s'auto-prendre en charge. Prenons-nous en charge, voilà, une idée entrepreneuriale à soutenir. Euh, ces balais fabriqués à partir de bouteilles que nous avons l'habitude de, de jeter. Et voilà, ça crée une idée, ça crée de l'argent et ça fera en sorte que la ville soit de plus en plus propre. Certainement, ils nous ont suivi, le message est passé. Nous espérons... Alors, où on peut trouver ces balais brosses Déjà, actuellement, nous avons une page Facebook, Reciplast Eco. Donc, vous pouvez commander via la page Facebook ou carrément euh, nous contacter. Le numéro Le numéro, c'est le 082 95 15 459. Encore 082 95 15 459. Le balai à 5 000 francs. Seulement Oui, seulement. <laughs> Alors, c'était intéressant pour nous de vous recevoir, de parler de ces sujets. Et nous allons vraiment vous accompagner parce que ce sont des idées innovatrices, ce sont deux idées... Qu'on a besoin pour que notre ville retrouve sa plus belle robe. On nous a toujours dit que Kinshasa a été belle. Peut-être nous n'avons pas vécu cette époque et nous, nous devons tout faire pour retrouver l'image perdue de notre ville. La pollution plastique, c'est les sujets de la Journée mondiale de l'environnement de cette année. Ça te dit quoi quand le monde célèbre cette pollution plastique. Est-ce que ce sont de simples mots ou réellement nous voulons aboutir à des actions plus concrètes C'est déjà un éveil parce que quand ils ont choisi ces thèmes là, c'est parce qu'il fallait éveiller les gens sur cette pollution parce qu'aujourd'hui, on dit il y a 380 millions de tonnes qui sont rejetées dans les océans, c'est pas c'est pas c'est pas moindre chose. D'ici 2050, il y aura plus de euh, des plastiques et des poissons dans les océans. Donc il faut déjà être éveillé parce que nos enfants, nous, peut-être risqueront de ne pas avoir de poissons sains dans, dans les océans. Donc, c'est les moments où il faudra faire déjà quelque chose. Donc, il faut, il faut passer à l'acte. Fogec existe, mais également d'autres structures qui accompagnent les entrepreneurs. As-tu déjà fait de premier pas ou bien euh, tu n'y penses pas Déjà, j'ai été à la euh, Je suis aussi actuellement en, dans un programme avec la RESP. Donc, euh, nous, nous y sommes parce que ce sont ces institutions que le gouvernement a mis pour euh, nous aider, nous jeunes entrepreneurs. Donc, nous sommes là. Petit à petit, nous espérons que nous aurons des bons résultats. Et aussi, j'ai profité de cette occasion pour dire à tous ces jeunes qui pensent que le gouvernement est ça là qui est l'autre côté. Non, c'est faux. Le gouvernement a mis sur place des institutions. Donc ba gouvernement <laughs> Donc les gouvernements mis en place des institutions. Donc il faut juste avoir l'information parce que c'est ce qui nous manque à nous jeunes, c'est l'information, on pas Souvent l'information, aujourd'hui, euh, à part les statuts quand on devient entrepreneur, euh, avoir un statut d'un établissement ou d'une société, il y a aussi les statuts de l'entrepreneur qu'on donne au guichet unique, c'est gratuit. Mais beaucoup de gens C'est gratuit C'est gratuit. Tu en as déjà Oui, j'en ai. Beaucoup de jeunes ignorent ça. Or, ces statuts-là, c'est aussi cité comme aussi une société. Donc, il y a déjà des de moyens que le gouvernement a mis en place. Il faut juste avoir la bonne information et puis aller sur le lieu. Il ne faut pas que. Non, bah, il faut aller soi-même parce que la, la case, les portes sont toujours ouvertes. Alors, qu'est-ce qui justifie ça Que beaucoup, parfois, euh, ne s'intéressent pas ils ne suivent pas le média le média classique pour ne euh pas oui, parler oui, des réseaux oui. sociaux, c'est dû à quoi Parce que pff, on est diplômé, on est censé quand même avoir l'information. Tout dépend des, des des envies de tout un chacun. Déjà, il faut, suivre, il faut suivre la bonne information parce que la plupart des jeunes aujourd'hui sont sur Facebook pour vous parler des et des haut d'autres personnes, Messi, Cristiano. Et ils oublient un peu ce qui est un peu essentiel, ce qui est primordial. Suivre les informations. C'est difficile de voir un jeune devant la RTNC de suivre les journaux. Donc, c'est très compliqué, c'est très difficile. Nous, c'est grâce à notre papa qu'on ait un peu cette chance-là et puis cette envie-là de, de suivre les informations parce que les informations, c'est capital. Il y a des fois des choses qui passent ou juste un petit déclic tu peux avoir une ouverture moi c'est s'il y a eu le monsieur qui nous a soutenu c'est parce que monsieur Mike c'est parce que j'ai les suivi à l'émission donc ils étaient le soir chez nous j'ai les suivi à une émission là à, sur Kind 24 et les lendemain je me suis dit non s'il a dit qu'il doit incuber les jeunes est-ce que moi je, je, je suis différent quoi les ces jeunes là je, je me suis lavé le matin je suis allé les voir donc il faut suivre l'information et peut être capable d'aller directement il ne faut pas attendre ou entendre. Non, il faut aller seul. Il ne faut, faut, faut pas avoir de confiance à d'autres personnes. j'ai salué ma maman, sa, maman Sophie Kualanga, ma maman chérie, qui a l'habitude de nous suivre, mais également toutes les mamans de la République. Elles te diront qu'elles ont de balais chez eux à la maison. Elles ont de balais qu'elles achètent elles connaissent bien le montant. Mais pourquoi elles doivent acheter le balai de Arsène Bakandora. Déjà, premièrement, parce que elles vont aussi participer à la réduction de cette pollution de plastique à Kinshasa. Donc, c'est ces mamans qui ont invité Kinshasa pays aller à Kitoko. Et aussi, déjà, mon bal, les balais le balai écologique ici présent est très durable. a une durabilité jusqu'à un an. Bal fibre est et Donc, plus vous l'utilisez, plus les fibres deviennent encore souples. Il bon, y a c'est gens la moto parce que ce sont de en plastique. plastique. Même les balais qu'ils utilisent actuellement sont en plastique. Déjà, la différence avec ces balais est que, il n'y a pas de souci. Parce qu'avec les autres balais, une fois que c'est mouillé, quand ils balaient les sables, c'est un Il faut les assécher. Mais ça, tu peux faire des dés à la fois sans souci. Et aussi, vous avez la tige durable, tis na ya Congo, en bois, en bois. Donc ben zété, on appelle ça pili pili, les branches pili pili. Donc zété à Makassi. Donc vous avez ça, vous avez une année plein boucanakate. Merci Arsène, le message est passé. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est juste encourager tous ces jeunes qui pensent que na Congo, bah yé daraba non, le gouvernement n'aide pas. De, de, de changer un peu cette manière de réfléchir, de penser un peu positif. Aujourd'hui, beaucoup sont étonnés de ce qu'on a vu au stade de Martyr dernièrement. Donc, ça veut dire que juste avec un peu d'effort, on peut faire des grands changements. Donc, il faut être toujours prêt et puis penser positif. C'est important. Il faut être prêt et penser positive. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était une émission où on a reçu un entrepreneur. C'était de la motivation. Il est étudiant. Mais il a créé déjà son entreprise. Il vend son balai à partir de bouteilles plastiques. Il, il fabrique un balai brosse. Il les vend à 5000 francs. Quelle idée géniale à soutenir! Je dirais ceci pour clôturer. Le salaire est éphémère. Entreprendre est éternel. Au revoir.